Yo tout le monde, alors je reviens surtout pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un petit tutoriel pour vous montrer comment couper du bambou. Donc là c'est pour faire une passerelle en bambou d'une manche à une autre dans le tas des pogos. Donc ce sera pas un autre tutoriel, mais pour l'instant je vais vous montrer comment couper le bambou. Donc pour ça vous aurez besoin de gants pour éviter de vous couper les doigts, on sait jamais. Ensuite d'une scie à métaux. Donc classique avec une lame, je sais même pas c'est quelle lame, donc à dents très fine. Ouais c'est ça à peu près. Donc voilà. Ouais, c'est marqué pour matériau peu rigide. C'est une lame 30 cm. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin de ça, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin c'est un truc pour couper quoi. Pour couper droit. Donc si certains en ont, je veux bien qu'ils me mettent dans les commentaires parce que je ne me rappelle plus du tout. Donc, et enfin, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus important, le bambou. Donc là c'est vraiment un grand bambou. Donc voilà. Donc nous notre but, ça va être de le couper en petits morceaux comme ça. Donc j'ai déjà commencé par faire des tests. Donc voilà, ça donne des morceaux avec une coupe bien droite, des deux côtés. Donc c'est parfait. Donc on va commencer tout de suite. Donc. Donc tout d'abord on met nos gants pour éviter de se couper les doigts. Hop. Ensuite on va prendre notre scie à métaux, venir nous positionner. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc voilà. Donc ensuite il faut aller assez vite donc, pour avoir une coupe bien nette, parce que si vous prenez plusieurs fois ça fait un truc pas très droit. Donc, je m'excuse du bruit qu'il va y avoir après donc. Donc vous avez vu que c'est assez dur au bout d'un moment. Je suis en train de galérer là. Donc faut vraiment y aller un bon coup d'une fois. Mais il y a des moments ça part comme ça. Donc faut vraiment. Pour ça que les gants c'est utile, comme ça on peut se rapprocher le plus possible de la lame. Donc il faut vraiment y aller assez fort. Si vous voyez, ça bloque. Donc comme vous avez vu ça fait une coupe propre. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Coupe propre là comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc ça c'est un bout. Je vais vous en faire un deuxième comme ça. Donc, tiens, on va faire celui-là. Donc là, on a raté. Enfin j'ai le bon bout comme ça. Il y a un bout en moins, donc on va commencer par couper là. Et ensuite faire ça pour avoir un morceau de bambou en entier. Donc puis après ça on arrêtera la vidéo parce que je peux pas trop vous montrer autre chose pour couper du bambou. Donc voilà, on se positionne toujours bien, on prend la serrure. Donc voilà, cette fois j'y suis arrivé, couper bien droit en une seule fois. Donc voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de. Enfin, je vais essayer de zoomer. Attendez, j'enlève les gants. Allez. Voilà. Donc vous voyez, vraiment quelque chose de droit. Donc c'est parfait. Hop. On retourne sur notre plaque. Nous. Donc, et on va couper le dernier morceau. J'en ai déjà pas mal. J'ai déjà tout ça. On va déjà couper. Donc, le dernier que je vais faire en vidéo. Après, l'arrêt, je le ferai en vidéo. Et je vous ferai une autre vidéo pour le montage de la plateforme en bambou. Donc, toujours. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On se positionne. Merci. Il faut vraiment essayer d'aller très vite. Et de toujours rester à une vitesse constante.
Sinon, vous avez vu, ça bloque, on se fait entraîner. Donc voilà. Au bout d'un moment, on prend un coup. On y arrive de mieux en mieux. Donc voilà, ça c'est la coupe qu'on a faite tout à l'heure. Ça c'est celle qu'on vient de faire. Donc pareil, toujours très droit. Voilà. Ouais. Peut-être penser un peu les côtés à la limite. Pour enlever peut-être un petit peu le bleu d'Ala, mais sinon c'est parfait. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. À laisser un petit like sur la vidéo et puis à vous abonner. Car il y aura un concours 1300 abonnés dès qu'on les aura atteints. Donc voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.